tennis serrée, violente, pas de tenue courte, ni de tenue sexy, ou à caractère provoquant. Pas de tenue mondaine, éviter les habits et les chaussures de grande marque, satanique, éviter tout ce qui est grande marque, Adidas, Nike, il y a des tenues aussi avec des têtes de mort. Faites très attention aux dessins, parce qu'il y a des dessins qui sont significatifs. Tout cela est relié au nom des ténèbres. Tout ce qui pose aussi la marque, le saucisson sur un 6. Pas de chaussures en peau de reptile ou des signes, portant des signes cabalistiques. Vérifiez bien les motifs qui sont sur vos tissus, les pailles quand vous les achetez, vous êtes où qui sont sur vos chaussures. Pas de chaussures au talon. Pas de théorie non plus portant les fiches de partis politiques ou l'image d'un homme politique, comme les stars. Nous devons porter l'image de Christ sur la terre. Amen, amen. La terre est sur nous. Amen. Pas de sujet politique dans l'Assemblée des Saints. Mais on n'a pas à militer pour les partis politiques. Nous adorons un Dieu qui est très jaloux. Amen. Pas de balade, ni de bavardage, ni de cris, de peur, de perturbation dans les cultes. On ne mange pas beaucoup non plus à l'église durant les cultes. Pas respect pour le Seigneur. Nous devons tenir la maison du Seigneur propre. Il y a des poubelles, il n'y en a pas encore, on va en installer si Dieu veut la semaine prochaine. Pas de groupe ethnique, ni de groupe régionaliste, ni de claniste, pas de xénophobie, pas de racisme dans l'Assemblée des Saints. Nous sommes tous unis dans un seul et même esprit, Jésus-Christ. C'est le Dieu de toute chair, de toute âme, de tout esprit. Amen. Comme il est écrit dans Galates 3, verset 18, il n'y a pas de juif, pas de grec. Nous sommes conformément un en Jésus-Christ. Amen. Toute personne n'ayant pas suivi tout le processus d'intégration à l'Assemblée n'est pas habilité à prophétiser dans l'Église. Et qu'est-ce, quand on parle du processus d'intégration, on parle d'enseignement sur la sainte doctrine, le jour du suivi de repentance, on parle de la délivrance, du baptême du Saint-Esprit et du baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Pas de groupe de tontines, ni d'association de prêts ou de microfinance dans l'Église. Pas de collaboration avec les réseaux tels que Jeune Chambre International, Rotary Club, l'Alliance Club. Nous tenons à signifier à toute personne animée d'un esprit de calomnie, de dérèglement, de médisance, de manipulation, de division et de solution, toutes ces personnes seront exposées devant l'Assemblée des Saints. Si nous avons des soucis avec un frère ou une sœur, nous l'abordons gentiment et nous échangeons. Si ça ne va pas, nous devons aller voir les serviteurs que nous sommes là pour régler les différends. Ça ne vaut pas la peine de publier, de raconter la vie d'un frère ou une sœur, à une bonne, ça porte accouchement. Quand vous avez des problèmes, approchez-vous en tant que frère et sœur, échangez. Discuter, soyez bénis. Alors, pas de tatouage, pas de tatouage sur certaines parties du corps, mais ceux qui sont tatoués, veillez les couvrir, parce que nous n'aurons pas les esprits de séduction ou de l'humilité dans la présence du Seigneur. Alors, pour les hommes, pas de débardeur, pas de vêtements jeans, pas de pantalons jeans ou des vêtements près du corps. Des vêtements style ski, c'est pas ski ou sky, en short, pas de short. Pas de pantacours, empêcher le monde et ses vêtements d'entrer dans l'église et le diable restera dehors. Tout ça est une surprise puisque l'esprit malin ne rentre pas dans notre assemblée. Là, nous n'y aurons pas cette décision. Alors, présentez-vous devant le Seigneur Jésus-Christ avec simplicité, pudeur, modestie, dans la crainte de et la sainteté. Pas de danse et imitation de musique et chant mondain. Dans l'église, tel que les groupes décalés, les hip-hop, reggae, NBLB, les danses traditionnelles dans l'église. Évitez d'utiliser les appellations démoniaques pour désirer le Seigneur, tels que Shekinah, Jéhovah, Baraké, Allah, Moyaya et autres. Nous connaissons un seul nom, nous connaissons bien le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le seul nom que nous sommes habilités à prononcer avec certitude. Évitez. Les femmes qui allaitent doivent se retirer, mais bientôt on va ménager le coin, puisqu'il n'y a pas encore de femmes avec bébé ici. S'il y a des femmes avec un bébé, on va ménager le coin afin qu'elles puissent allaiter son bébé en toute discrétion. Demain, on ne dort pas dans la présence du Seigneur. Ceux qui dorment ont du mépris pour la parole de Dieu.
sur la chair pour témoigner ou chanter. Elle reste en bas devant la chair. Donc, vous avez la part du Saint-Esprit à toutes les églises, Jésus revient. Je vous rappelle que plusieurs fois le Seigneur nous a rappelé de marteler, d'insister sur ses responsabilités. S'il nous dit, on a forcément une raison. Si le Saint-Esprit du Seigneur se manifeste au milieu de nous, c'est parce que, en nous regardant, le Seigneur voit l'atmosphère purifiée, l'atmosphère saine. Alors, si vous avez les choses du monde, mais il va rester à l'écart. Alors que tel n'est pas le notre objectif. Si nous sommes venus ici passer des heures, c'est parce que nous voulons adorer notre Seigneur dans une atmosphère de sainteté qui prenne plaisir à descendre au milieu de nous pour manifester sa joie. Donc, tout cela, c'est pour nous-mêmes, c'est pour ne pas repousser notre Seigneur Jésus-Christ qui ne reste pas de nous regarder. Soyez bénis, frères et sœurs. Nous allons louer encore notre Seigneur Jésus-Christ. Chante. Amen. Deux chants de loin, c'est la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Grand chose, il a fait de plus grand. Oh, à toi
Jésus. Amen, 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 Jésus. Amen, 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 Jésus. De Dieu. Amen. Tu es venu louer le Dieu véritable. Amen. 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 Psaume 146. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands. Ne vous confiez pas aux grands. Aux fils de l'homme. Aux fils de l'homme. Ils ne peuvent sauver.
sauver. Qui ne peut sauver. Amen. Amen. Leur souffle s'en va. Leur souffle s'en va. Ils rentrent dans la terre. Ils rentrent dans la terre. Et ce même jour, leur dessein périsse. Et ce même jour, leur dessein périsse. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob. Qui met son espoir dans l'Éternel son Dieu. Qui met son espoir dans l'Éternel son Dieu. Il a fait les cieux et la terre. Il a fait les cieux et la terre. La mer et tout ce qui s'y trouve. La mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde sa fidélité à toujours. Il garde sa fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin. Il soutient l'orphelin. Et la veuve. Et la veuve. Mais il renverse la voix des méchants. Mais il renverse la voix des méchants. L'Éternel règne éternellement. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu au Sion. Ton Dieu au Sion. Subsiste d'âge en âge. Subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez le Seigneur Jésus. Louez le Seigneur Jésus. Louez le roi des rois. Louez le roi des rois. Louez le Messie. Louez le Messie. Louez Alpha. Louez Alpha. Louez l'Oméga. Louez l'Oméga. Amen. 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 Jésus. Amen. 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 Jésus. Amen. 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 Jésus. Amen. 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 Le ciel et la terre vont entendre. Amen. 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 Nous allons remercier Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, pour la vie qu'il nous donne. Nous allons le louer parce que c'est lui le véritable Dieu. Amen. Quand nous prions et quand nous louons aussi pour nos, pour chaque membre de nos familles. Amen. Nous louons aussi pour nos voisins. Amen. Nous louons aussi pour les dirigeants de ce pays. Amen. Nous louons aussi pour nos frères et sœurs partout où ils se trouvent. Bien-aimé, dispose ton cœur pour louer le Seigneur. Entrons dans la louange. Louons le Seigneur à haute voix. Disons-lui toutes sortes de paroles de reconnaissance. Disons-lui tout ce que nous avons dans notre être que nous voulons lui dire maintenant. Parce qu'il veut entendre. Il veut entendre la louange. Il veut entendre la reconnaissance. Il veut se rassurer que chacun de nous, véritablement, le loue. Tu es venu pour le louer. Loue ton Dieu. Au nom de Jésus, prions. Seigneur, notre Père et notre Dieu, ton amour pour nous est grand, ton amour pour nous est véritable. Nous savons que tu nous aimes et que tu nous aimes éternellement et que rien, ni la mort, ni la vie, ni le sang, Seigneur, nous te remercions pour la vie que tu nous donnes. Nous te remercions pour nos vies. Nous te remercions pour la grâce que tu nous donnes maintenant. Et le temps, nous avons une grâce magnifique. Nous sommes tous ici. Seigneur Jésus, nous te remercions. Oh Dieu, Seigneur, merci d'avoir pour à nous amener dans le flanc de la vie. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour ce que tu nous donnes. Merci pour ce que tu nous donnes.
toi qui as pour ciel et ton trône, et la terre le marche-pied de ton chimarché, glorifie-toi l'être précieux, l'insoumis, celui que nous savons, que nous prédisons, que nous exaltons ce jour. Oui, c'est toi, Seigneur, chaque jour, l'animal du monde, que tu as trouvé, Seigneur, en toi, dans la pécherie se mange, mais tu as mon roi qui m'a dit à donner ta foule de ce Christ et de Jésus. Sois glorifié, Dieu du puissant, Seigneur Jésus, Dieu d'admirable, le conseiller, le Dieu du puissant, l'excellent, le magnifique, l'incontournable, le redoutable, le Dieu que nous adorons, Seigneur Jésus-Christ, Dieu de la lumière, aujourd'hui et éternellement, tu ne changes pas, tu es un Dieu puissant, le Dieu c'est toi que nous aimons, le Dieu qui appelle à nous, le Dieu qui nous donne la joie, le Dieu qui fait le chemin. Que le Seigneur a envoyé aux uns et aux autres pour dire que l'assemblée de Paris, l'assemblée que nous sommes, sera beaucoup combattue. On a déjà eu au moins deux personnes à qui le Seigneur a donné ce message de plusieurs manières. Et le Seigneur, encore hier, disait qu'il y aura de la tribulation, malheur à celui qui sera à l'origine de cette tribulation-là. Il y aura des mouvements, malheur à celui. Hier soir encore, il y a eu ce message de beaucoup prier pour cette assemblée. Parce que nous nous sommes levés pour la saine doctrine. Parce que nous nous sommes levés pour proclamer le retour de Jésus. Et parce que nous marchons selon les voies du Seigneur Jésus sans compromission. Et le diable, il est bien fâché. Le Saint-Esprit l'a révélé. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier et demander le secours à l'Éternel des armes. Amen. À l'autorité. Bien-aimés, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux et plus forts que ceux qui sont dans le monde. Amen. C'est une conviction, c'est une réalité. Amen. Levons-nous maintenant. Demandons le secours à l'Éternel pour notre jeune communauté. Pour notre jeune communauté que nous sommes. Prions au nom de Jésus. I'm going to go to the hospital.
Une femme forte, un enfant fort qui est là à nous épier, à chercher une porte ouverte. Il a échoué au nom de Jésus. Amen. Levons-nous maintenant contre l'homme fort, la femme forte ou l'enfant fort ou les esprits forts qui se lèvent contre chacun de nous de façon individuelle. Levons-nous et renversons-le dans le nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Qui tombe, celui qui te rend malade, celui qui te rend triste, celui qui ne voit ton malheur, celui qui ne voit ton malheur, celui qui ne voit ton malheur, qui se tient le pouvoir, Oh,
Pardonner et un péché abandonné, avoué, abandonné et entièrement pardonné. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a encore quelque chose dans ta vie? Un péché que tu veux abandonner, mais tu n'arrives pas, tu viens voir les serviteurs, ou tu fais une repentance publique et le peuple prie sur toi sur ce péché-là. Est-ce qu'il y a un truc que tu as tout fait, tu as tout, tu t'es battu pour que ça quitte, mais ça ne quitte pas. Et tu sens que tu n'as pas toi-même, personnellement, individuellement, la force. Alors nous allons intercéder pour toi. Il suffit de dire, moi, je veux dire, moi. Maintenant, si ce n'est pas le cas, que chacun de nous prenne un moment, depuis notre dernière repentance, amen, la servante du Seigneur s'est battue contre une situation, s'est battue contre un péché, et elle n'arrive pas, c'est toujours là. C'est un mauvais esprit. Le Seigneur a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui vont se bien-aimé, avance ici. Avant que nous ne prions pour elle, nous allons d'abord prier pour nous-mêmes. Amen. 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 Nous allons aussi laisser la bien-aimée prier pour elle-même. Et quand nous allons finir notre propre repentance, notre propre confession, nous allons avoir aussi à prier pour elle au nom de Jésus. Bien-aimé, mettons-nous à genoux. Parlons au Seigneur Jésus, parle à Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas, les gens pensent que c'est parler à Jésus comme tu parles à ton père à la maison, mais dans l'esprit, comme tu parles à ton ami, mais c'est Dieu. Tu lui fais part de ta situation véritable. Commence à prier maintenant. Commence à prier, est-ce qu'il y a un truc que tu veux lui dire? Prions au nom de Jésus. Parle à ton Dieu qui est dans le secret, qui entend et qui voit que ton cœur est sincère. Depuis ta dernière confession, ta dernière repentance, est-ce qu'il y a eu encore un truc? Bien-aimé, l'Esprit de Dieu, ce n'est pas que nous marchons dans la condamnation. Car il n'y a point de condamnation pour nous. Mais si nous sommes dans un esprit de condamnation, c'est qu'il y a un problème. Je suis
Lave-nous, Seigneur, par le sang de Jésus.
Lave toute souillure dans nos esprits. Lave toute souillure dans nos âmes. Lave toute souillure dans nos corps. Que ton sang, Seigneur Jésus, accomplisse l'œuvre de la croix. L'œuvre pour laquelle ton sang a coulé à Golgotha. Que ton sang, Seigneur, accomplisse l'œuvre. Purifie-nous, Seigneur. Nous venons laver nos robes, Seigneur. Seigneur Jésus, lave nos robes. Oui, lave nos robes, Seigneur, au milieu de la tribulation, au milieu de ce monde perdu. Parfois, le lave nos robes de ces salines. Par le mensonge, par la négligence de ton œuvre, par le vol, par toutes sortes d'œuvres. Seigneur, lave-nous, car nous avons vu ce qu'il ne fallait pas voir. Nous avons donné nos oreilles là où il ne fallait pas. Lave nos oreilles, Seigneur, par ton sang. Lave nos bouches, Seigneur, par ton sang. Seigneur, lève la souillure dans nos yeux. Oh, nos pieds se sont précipités à aller là où il ne fallait pas. Lave-nous, le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang versé pour nous, que le sang qui lave chacun des membres de nos familles, que le sang qui lave nos enfants qui soient lavés dans le sang de Jésus, que le sang qui lave nos époux, nos épouses, que le sang qui lave nos fiancés, que le sang qui lave notre maison. Que le sang de Jésus purifie. Oh Seigneur Jésus, lave, purifie nos voitures, purifie notre lieu de travail, purifie nos parents, purifie nos frères et sœurs biologiques. Oh le sang de Jésus, nous prenons le sang de Jésus dans chaque domaine de nos vies. Seigneur, que ton sang purifie nos finances, que ton sang purifie, Seigneur, nos finances, que ton sang purifie, nous n'avons pas à financer ce qui ne se passe pas. Que le sang de Jésus apporte la guérison là où il y a la maladie. Que le sang de Jésus apporte la guérison là où il y a la maladie. Le sang de Jésus. Que le sang de Jésus vienne restaurer notre être tout entier. C'est dans le sang de la restauration. Le sang du rafraîchissement. Le sang du rafraîchissement. L'ennemi te dit que tu as une dette. Paye la dette avec le sang de Jésus. Rembourse la dette maintenant avec le sang de Jésus. Si tu ne peux plus restituer, rembourse avec le sang de Jésus. Oui, Seigneur, nous remboursons les dettes avec le sang de Jésus. Les réclamations du monde des ténèbres, nous remboursons avec le sang de Jésus. Oui, Seigneur, que ton sang soit pour nous. Une restitution pour ce que nous ne pouvons plus restituer. Oh Seigneur, nous restituons par ton sang. Nous restituons par ton sang. Bien-aimé, restitue par le sang de Jésus. Bien-aimé, restitue par le sang de Jésus. Restitue par le sang de Jésus. Avec le sang de Jésus, tu restitues les dettes. Tu restitues les réclamations. Oui, sur le monde des ténèbres. Les esprits te réclament des choses. Dis-leur que tu leur restitues. Le sang de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur Jésus, tu es vivant. Bien-aimé, remercie le Seigneur Jésus qui a accompli ces choses dans ta vie. Seigneur, remercie. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Alléluia. Payé pour nous toutes les dettes. Tu nous as délivré, Seigneur, des accusations de l'accusateur, des liens avec le monde des ténèbres. Nous te disons merci pour ce que tu viens de faire à Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Merci, Seigneur. Que le Saint-Esprit nous domine maintenant. Que le Saint-Esprit nous domine maintenant.
Que le Saint-Esprit nous remplisse de sa puissance maintenant. Lorsque nous allons parler maintenant, que ce soit les flammes de feu qui sortent de nos bouches. Lorsque nous allons prononcer une parole, que ce soit avec la puissance du Saint-Esprit. Seul Dieu, l'éternel des armées, celui qui est,
Même à Dieu, me mentir moi-même pas à Dieu, je dirais je suis pas prêt.
parce qu'il y avait des dettes. Et jusqu'à là, les dettes sont encore là. C'était s'il fait de ça des minutes, parce que, en quelque sorte, il était avec Gracien, et puis avec Gracien, il a fait sa chaîne. Je ne suis pas là pour critiquer, c'est pour dire que, aidez-moi, pour que Dieu, par moi, je peux même, qu'il ouvre les portes pour que je puisse faire la restitution. Pourquoi? Parce que quand je vais évangéliser, j'évangélise même dans le train. L'ennemi me combat, hypocrite. Et toi, tu parles du péché, répandez-vous et toi-même. Il y a quelqu'un qui, par qui il est passé même dans le train. Toi, tu connais le péché. Et ça me travaille. Ça me travaille. Donc, vraiment, quand on dit préparez-vous, mon mari a pris ça, l'ennemi a changé ça. Comment? Ça dit préparez-vous pour le ciel. C'est comme se préparer pour aller en Côte d'Ivoire. Préparer pour aller en Côte d'Ivoire. J'interpelle. Même aujourd'hui, même j'ai mis un livret de mariage. Séparation. Je vais dire, chérie, ça va. Après. Donc, quand l'argent vient, ça va mieux. Donc, ça me fait, je ne sais pas. Ça me fait mal. Je ne veux plus parler. J'ai fait beaucoup d'années, même faut-il dire que j'ai beaucoup murmuré à celui qui veut m'entendre dans les soi-disant chrétiens. C'est dans Jésus, il revient, je sais qu'il y a la vérité. Qui fait même que je ferme maintenant les bouches. J'ai agi même par la chair, ça n'a pas bougé. Amen, amen. Mais tu veux qu'on prie pourquoi exactement? Dieu, le Seigneur ouvre les portes. Si c'est moi qui dois faire la restitution, même si j'ai mes dettes. Il y a un problème de restitution. Oui, oui. À cause des dettes que vous avez contractées. Mm-hmm. Oui, j'en avais avant de le marier. Lui aussi, il avait pour lui. Contravention par là. On dit qu'on allait faire. Maintenant, on n'arrive pas à le faire. Moi, ça me gêne, ça me travaille. Mm-hmm. Donc, prions pour que le Seigneur, si c'est moi, bon, que le Seigneur permette que je sorte dedans. Parce que tu as la conviction qu'il faut restituer. Mm-hmm. Tu as suivi l'enseignement sur la restitution et vous avez contracté les dettes et tu voudrais qu'on intercède que le Seigneur ouvre les portes afin que vous puissiez faire la restitution des dettes que vous avez contractées. Amen. Mm-hmm. Amen. 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 Puisque c'est la seule personne qui s'est levée, bien-aimée, elle a confessé qu'elle a fait, elle a contracté les dettes, mais ils n'ont pas, selon elle, est-ce que c'est une question de moyens ou c'est une question de Justement, volonté. On peut dire moyen bon. On m'a égale gros. Donc quand ça vient le gros, on pouvait. Mais le diable oriente les idées ailleurs. Comme quoi se préparer, ça allait construire le pays. Amen, amen. Donc il y a les moyens, mais c'est peut-être de mon côté, je ne gagne pas beaucoup. Amen. Donc que le Seigneur touche son cœur. Son cœur pour que vous puissiez vous organiser pour faire la décision. Amen. Peuple de Dieu, nous allons donc prier là-dessus. Nous allons donc prier là-dessus. Et bien aimé, mets-toi à genoux. En regardant le peuple de Dieu, s'il te plaît. Bien aimé, mettons-nous debout. Que le Seigneur nous fortifie. Amen. Nous allons prier pour que le Seigneur touche au cœur de son mari qui a la possibilité de restituer, en fait. Ils ont les moyens de restituer. Mais il se pourrait que son époux oriente les ressources de la famille dans d'autres projets. Et elle, ça la tracasse beaucoup parce qu'elle souhaite restituer parce qu'elle a reçu l'enseignement sur la situation. Elle ne veut pas que le moment venu, l'ennemi l'accuse. Oui. Parce qu'elle dit même que même dans la voiture, même dans les transports en commun, elle entend qu'elle est hypocrite à cause de cette dette-là. Et chaque fois qu'on lui avance une parole, son esprit convertit ça pour ramener seulement dans cette dette-là. Amen. Prions donc pour que selon ce qu'elle a demandé. Ça fait qu'il y a la peur souvent à moi. Elle dit qu'elle est dans la peur. Elle vit dans la culpabilité en fait. Nous ne devons pas vivre dans la culpabilité. Nous pouvons vivre dans le regret. Mais nous sommes sauvés en Jésus. Maintenant, la restitution, par exemple, une dette. Quand vous contactez une dette, il y a un calendrier de remboursement. Il faut rentrer dans le calendrier de remboursement. Il faut avoir la bonne volonté de rembourser. Amen. Maintenant, il ne doit pas vivre dans la culpabilité. Mais il doit vivre plutôt dans la volonté de rembourser et non dans la culpabilité. Parce que si elle vit dans la culpabilité, elle ne va pas sortir de là. Elle ne va pas se sentir sauvée. Elle ne va pas se sentir enfant de Dieu. Donc, prions pour la culpabilité en un, qu'elle ne culpabilise plus, que la culpabilité ne vienne plus la convaincre, qu'elle sorte de sa vie et aussi pour que le Seigneur transforme le cœur de son mari pour qu'ensemble ils aient la volonté de rembourser la dette selon
le calendrier de remboursement. Nous allons prier au nom de Jésus. Prions pour elle. Seigneur, notre Dieu, notre Père, le ciel est ton trône et la terre est ton marchepied. Tu as dit que, et c'est vrai, que toute chose t'appartient, l'or et l'argent. Le cœur du roi également est sur ta main. Tu le viens, tu comme tu le veux. Nous venons de prier, Seigneur, pour notre sœur. Tu as écouté, Seigneur, dans ton silence divin. Qu'elle culpabilise parce qu'elle a contracté des dettes qu'elle ne peut pas rembourser. Qu'elle n'arrive pas à rembourser parce que son mari et elle ne sont pas en accord. Ne sont pas en accord pour restituer ses dettes. Seigneur, au nom de Jésus, nous voulons te prier pour que la sœur ne marche pas, ne vive pas dans la culpabilité. Parce que tu ne nous appelles pas à vivre dans la culpabilité. Mais tu nous convaincs de pécher pour que nous puissions confesser et abandonner le péché. Nous te prions, Seigneur, qu'elle ne vive pas dans la culpabilité. Mais nous prions, Seigneur, que son mari et elle, Seigneur, s'accordent pour rembourser la dette, pour rembourser le crédit qu'ils ont contracté au banque, afin que l'ennemi n'ait pas le moyen de les accuser d'aucune manière. Oh Seigneur, saisis-toi du cœur de son mari, afin que la priorité soit aussi de rembourser la dette, qu'il puisse s'organiser à rembourser cette dette-là, Seigneur. Oh Seigneur, elle a la volonté de rembourser. Elle a la volonté de rembourser. Elle a la volonté de rembourser. Oh Seigneur, enlève la culpabilité. Mets en elle et en son mari, Seigneur, l'organisation pour rembourser la dette. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 Est-ce que tu peux te tourner vers ton voisin et lui dire shalom? Shalom. 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 Shalom, mon frère. Shalom, ma soeur. Que le Seigneur te bénisse. Que sa grâce infinie abonde dans ta vie. Shalom. Shalom, mon frère. C'est pas bon pour l'enfant que ils vont l'opérer en novembre. Donc c'est sur ça qu'on est. Amen. 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 Nous avons déjà eu ce sujet de prière ici. Première fois, nous avons prié pour Ethan. Nous allons encore prier afin que le Seigneur Jésus lui fasse miséricorde. Le Seigneur a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils prieront sur les malades seront guéris. Amen.
À Dieu soit la gloire. Amen. Prions pour le jeune Ethan, pour que le Seigneur Jésus, qui est le médecin par excellence, diagnostique ce qui se passe dans sa vie. Ça peut ne pas être seulement médical, hein. Prions. Ça peut aussi être spirituel. Prions donc et remettons Ethan entre les mains du médecin par excellence, pour que la grâce du Seigneur descende sur lui. Prions pour lui au nom de Jésus. Oh Seigneur, grand Dieu, grand roi, nous venons te prier, Seigneur Jésus, pour Ethan, qui est malade et qui a mal aux oreilles. Toi qui a créé les oreilles, Seigneur, est-ce que soigner Ethan, soigner, guérir le petit Ethan, Seigneur, toi, derrière, parce que c'est toi qui as créé les oreilles. Nous te prions, Seigneur, afin que tu interviennes dans la vie du jeune Ethan, afin que, Seigneur, ton nom soit glorifié dans les témoignages qui vont avoir lieu dans sa vie. Seigneur, nous te prions d'intervenir. Tu as dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous te prions donc maintenant, Seigneur Jésus, au nom de Jésus, que ton esprit descende. Que ta main se pose sur Ethan et que Ethan ouvre la guérison. Seigneur, tes disciples ont prié en ton nom. Tu as intervenu. Voici ce prions aussi. Au nom de Jésus. Seigneur, que Ethan reçoive la guérison. Que Ethan reçoive la guérison. Que Ethan reçoive la guérison. Selon le plan de Dieu. Selon le plan de Dieu. Selon la souveraineté du Créateur. Que Ethan reçoive la guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, amen, 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 dans la paix, amen, amen, amen. Amen. Nous allons chanter un petit chant le temps que le serviteur monte pour les orations. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Alléluia. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Alléluia. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que Jésus a dit, sa main l'accomplit. Ce que Jésus a dit, sa main l'accomplit. Ce que Jésus, ce que Jésus a dit, sa main l'accomplit, sa main l'accomplit. Ce que Jésus a dit, alléluia, sa main l'accomplit. Ce que Jésus, ce que Jésus a dit, alléluia, sa main l'accomplit. Oh Jésus, ce que Jésus a dit, sa main Seigneur Jésus.
soit sur chacun de vous. Amen. Que le Seigneur Jésus se souvienne de chacun de vous, de vos familles, de tout ce que vos mains touchent. Et je prophétise sur la vie de quelqu'un ici en ce moment, que toi qui as longtemps pleuré, tu reçois la consolation dans ton cœur au nom de Jésus. Je prophétise sur la vie de quelqu'un en ce moment-ci là. Toi qui traverses des moments difficiles, je prie que le Seigneur t'assiste maintenant au nom puissant de Jésus. Toi en ce moment qui traverses des persécutions, qui traverses des moments difficiles dans la famille, dans le travail, je prie en ce moment que le Seigneur restaure toutes choses dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu soit fortifié. Nous savons que la parole de Dieu nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il y a tout ce qui est nécessaire aussi de écouter la parole du Seigneur, parce que c'est cette parole-là qui nous sanctifie. Amen. Voilà Jésus. Donc nous allons demander cette prière. Donc Jésus, dispose-moi à écouter ta parole. Et nous allons commander celui, le canal par qui le Seigneur veut utiliser pour s'adresser à son peuple. Faisons cette prière au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu. Nous allons parler maintenant. Seigneur Dieu des armées, Seigneur Jésus, oh Père, Seigneur Dieu des armées. Nous allons parler maintenant. Nous allons parler maintenant. Seigneur Jésus, nous allons parler maintenant. Gloire à Jésus. Le thème de cette prédication, cette exhortation sera « Église, lève-toi par la puissance du Saint-Esprit contre la division et réveille-toi de l'unité d'esprit en Jésus-Christ. » Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé, ce thème que le Seigneur m'a mis à cœur de t'adresser à son peuple est d'une nécessité tellement importante. Parce que nous savons que depuis la Genèse du réveil, l'une des choses que l'ennemi a beaucoup fait au sein du réveil, c'est quoi? C'est la division. Alléluia. C'est pourquoi il est plus qu'important d'aborder ce sujet afin de mieux nous préparer à être plus invincibles, plus inébranlables face à tout plan, projet de division de l'ennemi contre nous. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur allumait ce feu de réveil depuis le ciel et l'ennemi, sachant que un passage de la Bible nous dit, dans Matthieu 12, verset 25, nous allons lire cela, il connaît ce passage et il sait ce qui a été dit dans ce passage et c'est pourquoi il utilise cette arme qui est la division pour vouloir éteindre le feu de réveil. Mais cela n'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé, il nous dit, Matthieu 12, verset 27, tout le monde va participer. C'est une servante de Dieu pour nous lire Matthieu 12, verset 27. Alléluia. Je veux la parole de Dieu avec un grand respect. La Bible déclare, si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Matthieu 12, verset 25, gloire à Jésus. Amen. Désolé.
Comment Jésus connaissait leurs pensées? Il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Amen. Le Seigneur bénit, Seigneur Dieu. Le Seigneur dit, tout royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Alléluia. Toute maison divisée contre elle-même ne peut demeurer. Alléluia. Bien-aimé, l'ennemi connaissant ces réalités, que si une assemblée est divisée en elle-même, elle ne peut pas subsister. Alléluia. Et c'est pourquoi il utilise ardemment ce canal-là, cette méthode-là pour vouloir nuire aux rebelles. C'est pourquoi, bien-aimé, nous devons ardemment nous préparer. Parce que l'ennemi œuvre jour et nuit pour diviser le rebelle. Et le Seigneur Jésus, le sachant, lors de son endurance sur terre, il a beaucoup prié pour l'unité au sein des disciples, au sein de l'Église. Alléluia. Amen. Et nous connaissons ce passage, ce chapitre de Jean 17, où le Seigneur adresse sa prière à son état. Et ce qui va nous intéresser dans cette prière-là, que j'invite chacun à lire, c'est le passage du verset 9 à 23. Gloire à Jésus. Amen. Jean 17, verset 9 à 23. Nous allons lire cette portion de la prière de Jésus-Christ qu'il adressait à Dieu pour ses disciples, pour son Église que nous sommes. Alléluia. Et il dit même quelque part, je ne prie pas seulement pour ceux-ci, mais pour ceux qui croiront en eux. En moi par les prédications. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, nous allons ouvrir dans Jean 17, bien-aimé, pour nous lire. Gloire à Jésus. Jean 17, verset 23. Je lis la parole. Jean 17, du verset 9 à 23. Ok. Je lis la parole de l'Éternel. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est rendu perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Il dit, plus par la suite au verset 13, et maintenant je vais à toi. Et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Amen. Je les ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Car tu m'as envoyé dans le monde, je les ai envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'ils aient aussi, pour qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Afin que, voilà Jésus, voilà ce qu'on doit adresser, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, que le monde croit que tu m'as envoyé. Alléluia. Le but de la prière, Seigneur, est que nous soyons tous un. Va le vœu, le désir ardent du Seigneur est que l'Église de Christ, les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, soient parfaitement un, comme le Père et le Fils sont un. Gloire à Jésus. Et il dit par la suite, verset 23, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaissent que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Gloire à Jésus. Bien-aimé, le symbole de l'unité au milieu de l'Église de Christ sera le signe que Jésus-Christ est réellement avec nous. Amen. Ce sera le signe que réellement nous avons été envoyés par le Seigneur Jésus. Alléluia. C'est pour ça que nous devons travailler ardemment pour l'unité.
sous le modèle de l'église primitive que nous allons lire dans Acte 4, le verset 32. Cette église-là, que le Seigneur veut restaurer en ces temps de la fin. C'est pourquoi il a allumé ce feu de réveil. Voilà Jésus. Donc, l'église primitive, par la façon qu'ils ont vécu leur foi, nous inspire beaucoup, nous enseigne beaucoup. Et nous voulons marcher sur ces anciens sentiers-là. Voilà Jésus. Et on nous dit quelque chose de particulier hier sur l'église primitive dans Acte 4, verset 32. Je vais donner à un frère dans l'assemblée qui peut nous lire ce passage. Frère Moïse, Acte 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Amen. 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 La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur, qu'une seule âme. Vous voyez cela? Bien-aimés, est-ce que nous sommes réellement un seul cœur? Alléluia. Et quand nous allons, pour répondre à cela, nous allons voir la signification du mot division. Nous savons tous ce que c'est une division. Ça, nous n'avons pas besoin de trop expliquer. Mais ce qui m'intéresse, c'est sa signification étymologique. Dans le mot division, il y a deux particules, qui est di et vision. Di qui veut dire deux. Alléluia. Et ça veut dire deux visions différentes. Alléluia. Donc dans division, on voit la différence. Ce qui est différent de diversité. On dit diversité de dons, mais un seul esprit. Donc, ce qui fait que nous pouvons être une assemblée, nous pouvons être diversifiés dans notre façon de penser, dans notre façon d'agir, mais tout en restant un. Mais la division, par contre, c'est être différent et en plus de ça, se combattre les uns les autres. Là, c'est le grand danger. Alléluia. Le Seigneur est dans la diversité. C'est pourquoi nous voyons des Maghrébiens, des Africains, toutes origines, européens. Mais dans tout cela, il dit quoi? Nous ne formons qu'un seul corps. Amen. C'est pourquoi le Seigneur veut que nous soyons un. Qu'il n'y a ni juif, ni grec, ni celui-ci, ni celui-là, mais que nous soyons un. Car le Seigneur ne fait exception à personne. Amen. Alléluia. Amen. Et ce sujet m'a beaucoup préoccupé. Et voici, dans mes moments de méditation, l'Esprit de Dieu me révèle les trois principaux canaux par lesquels l'ennemi utilise pour semer la division. Alléluia. L'ennemi, nous devons beaucoup méditer sur certaines réalités parce que la parole de Dieu nous dit le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Alléluia. Et c'est pourquoi nous devons, n'est-ce pas, méditer sur ces stratégies afin de pouvoir mieux vaincre. Gloire à Jésus. Amen. Et ces trois canaux, parmi tant d'autres, sont des principaux canaux que l'ennemi utilise pour la semer la division. Le premier canal, c'est par les fausses doctrines. Alléluia. Le deuxième canal, c'est par les fausses révélations. Le troisième canal, c'est par les œuvres de la chair. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons détailler cela. Par les fausses doctrines, premièrement. Alléluia. La parole de Dieu nous dit ceci dans le livre d'Éphésiens 2, verset 20, que, alléluia, nous allons lire ensemble, Éphésiens 2, verset 20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alléluia. Amen. Nous voyons que l'Église de Christ, en fait, nous, Église de Christ, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et ce fondement-là, c'est quoi? C'est la sainte doctrine. Parce que la sainte doctrine est le fondement le fondement que les apôtres, n'est-ce pas, ont placé, ont posé. Alléluia. Amen. C'est quoi l'apôtre Paul dit quelque part que personne ne pose un autre fondement que celui qui a été posé, c'est-à-dire Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, la sainte doctrine est ce fondement-là. Et l'église de Christ que nous sommes, ce qui fait notre particularité, c'est quoi? Nous sommes de la sainte doctrine. Et nous devons demeurer dans cette sainte doctrine-là afin d'être en parfaite unité. Gloire à Jésus.
Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit quelque part dans le livre de Somme, notamment Somme 11, le verset 3, que si les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? Alléluia! Si maintenant la doctrine que nous prêchons, elle est plus conforme à la sainte doctrine, nous allons voir tantôt d'autres m'ont dit, ah, moi je crois que c'est comme ça. D'autres m'ont dit là-bas, moi je crois que c'est comme ça. Moi je ne crois pas que nous devons fêter la Pâque. D'autres m'ont dit, je crois que nous faisons la Pâque. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Alléluia. Amen. Notamment même au sujet de la Pâque, non, ça par exemple, parce que beaucoup abandonnent la bergerie pour aller, n'est-ce pas, suivre, n'est-ce pas, des doctrines comme la parole des démons, des doctrines des démons. Alléluia. Dans le livre de 1 Corinthiens 5, verset 7, le Seigneur nous dit, quelqu'un pour nous lire 1 Corinthiens 5, verset 7. Alléluia. Notre sœur, vous lisez ou non? Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 5, verset 7. C'est ça? Amen. Amen. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Amen. Amen. Car Christ notre Pâque a été immolé. Donc, étant donné que Jésus-Christ est notre Pâque, nous n'avons plus besoin d'observer la Pâque comme faisaient les Juifs. Mais cependant, beaucoup ont été séduits, comme la parole nous dit, au temps de la fin. Viendront beaucoup de fausses doctrines. Alléluia. Et mais vous, vous êtes les graciés du Seigneur. Alléluia. Et vous êtes là, c'est parce que vous avez réalisé que ici, à Jésus revient, il y a la sainte doctrine. Et vous ne vous êtes pas laissé emporter par les bancs de fausses doctrines qui causent la division au sein de l'Église. Que le, acclamons le Seigneur sur tout cela. Bien-aimés, il y a tellement de choses à dire sur la sainte doctrine. Et c'est pourquoi j'invite chacun, il y a tout un document sur la sainte doctrine. Et dans ce document de la sainte doctrine, nous présentons les éléments de la sainte doctrine et les éléments que la sainte doctrine condamne. Et si chacun de nous maîtrisons ces éléments-là, il ne viendra pas un jour où quelqu'un va dire, non, moi je pense que c'est comme ça, la parole de Dieu dit ceci, l'autre va dire, la parole de Dieu dit cela. Mais nous serons tous dans une seule langue, une seule parole, comme la parole nous recommande. Gloire à Jésus. Donc sans doute, le serviteur Jean-Baptiste enverra dans le groupe le document sur la sainte doctrine et j'exhorte chacun à lire cela en profondeur pour être imprégné de la sainte doctrine. Alléluia, des éléments de la sainte doctrine comme la divinité suprême de Jésus-Christ, parce que nous prenons pour choses comme la Trinité, que Jésus-Christ est un ange comme beaucoup de voilà. Un prophète comme beaucoup enseigne dans les églises de la tradition. Alléluia. Il y a le baptême au nom de Jésus-Christ. Il y a croyons à l'instant du paradis d'enfer et plein d'autres choses conformes à la parole de Dieu. Alléluia. Donc nous devons vraiment maîtriser cette doctrine-là afin que nous soyons tous unis dans cette même doctrine. Et cela va renforcer les liens d'unité parce que la doctrine, comme nous avons vu, c'est un fondement. Et si nous sommes tous partis sur le même fondement, il n'y a rien qui pourra nous empêcher d'être un. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul prévenait beaucoup aux églises que l'apôtre Pierre, notamment, il dit il y a eu parmi le peuple des faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs le suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. 2 Pierre 2, verset 1 à 2. Alléluia. Bien aimé, la parole nous dit, plusieurs le suivront dans leur dissolution. Là, je ne sais pas, bien aimé, soyons vigilants, prenons le temps dans la méditation de la parole afin de ne pas nous laisser emporter par des vents de fausses doctrines qui viendront pour semer la division au sein de l'Église de Christ. Alléluia. Nous allons continuer avec le deuxième point qui est les fausses révélations. Gloire à Jésus. Amen. Par fausses révélations, nous comprenons plusieurs choses. Alléluia. Amen. Les fausses prophéties.
les fausses visions, les faux songes. Alléluia. Les dieux m'a dit ceci, les dieux m'a dit cela. Dieu m'a parlé ainsi, Dieu m'a parlé cela. Mais pourtant, ce n'était pas Dieu. Alléluia. Bien aimé, ces choses-là causent des scandales, des divisions, du chaos dans plusieurs assemblées. Mais le Seigneur Jésus, par cette exhortation, veut nous prévenir cela afin que nous puissions ne pas être victimes de ces choses-là, des fausses prophéties. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans Job 33, verset 14, que nous connaissons bien ce passage, que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend garde. Ça, c'est vrai, Jésus est vivant. Il parle encore, il agit. Il parle par des prophéties, il parle par des visions, par des songes. Alléluia. Mais cependant, la parole nous dit encore quelque chose quelque part. Dans 1 Jean 4, verset 1, que j'ai vu le peuple à lire, le peuple de Dieu à lire, 1 Jean 4, verset 1. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. 1 Jean 4, verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Amen. Bien-aimés, la parole de Dieu dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Alléluia. Amen. Mais éprouvez-les, c'est un commandement de Dieu, éprouvez les esprits. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'un esprit prophétise et dit « Je suis Jésus » que c'est forcément Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous raconter dans des autres plus tard. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Il dit « Pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Je me rappelle une fois, lors d'un moment de prière, une dame, n'est-ce pas, s'est mise à prophétiser. Gloire à Jésus. Et comme la parole nous recommande de sonder l'esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. J'ai dit, alors, si c'est toi qui parles, donne-moi ton nom. Alléluia. Amen. Et cet esprit-là a donné tous les attributs. Je suis l'alpha, l'oméga. Je suis le lion de la tribu de Juda, je suis le roi des rois. Oh, intéressant. J'ai dit, si c'est toi qui parles, donne-moi ton nom. Gloire à Jésus. Amen. Parce que tout ça, c'est des attributs. Alléluia. L'esprit a osé dire Jésus-Christ. C'est pour dire que les esprits, là, peuvent me dire Jésus-Christ. Les esprits humains, en fait. Oui. Mais pour les démons, parfois, c'est avec un châtiment à l'appui. Mais ces esprits humains, là, ont carrément dit Jésus-Christ. Alléluia. Et j'aime bien d'étaler que c'était un esprit humain, en fait. avant que vous allez écouter la suite de l'histoire. Après cela, j'ai dit, sondez maintenant au niveau de la parole. J'ai dit, ok, Jéhovah est-il Dieu? Il dit, non, Jéhovah n'est pas Dieu. Vous voyez, cet esprit-là commence à être imprégné dans ses doctrines. Alléluia. Donc, ils vont pas les piéger sur les éléments très faciles. Alléluia. Parce qu'ils savent cela, en fait. Ils savent cela, mais ils trompent les ignorants. Gloire à Jésus. Mais on continue encore en disant, ok. Je vois alors que, dans sa façon, le Saint-Esprit me convainc qu'il n'y a pas d'authenticité. Alléluia. Ce sont les choses hautement spirituelles. Comment savoir si c'est pas, si c'est pas c'est l'Esprit de Dieu ou pas? C'est le don de discernement des esprits. Gloire, c'est juste un don, c'est une grâce. Alléluia. Et alors, je dis, ok, on va aller dans notre étape. Alléluia. Parce que le Seigneur dit, éprouvez les esprits. Gédéon a éprouvé. Alléluia. Si vous connaissez l'histoire de Gédéon, il a éprouvé l'Éternel. Bien que c'est l'Éternel, le vrai Dieu qui le parlait. Alléluia. Il a éprouvé deux fois. Alléluia. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Gédéon, c'est ça. Alléluia. Ce n'est pas l'incrédulité, ce n'est pas le doute. Parce que bien aimé, la parole, il dit, n'ajoutez pas foi. N'ajoutez pas foi, bien aimé. Parce que tu te laisses emporter par une fausse prophétie. C'est toute ta foi qui sera emportée. Tu ne sais pas ce que ça va entraîner. Les fausses prophéties ont détruit des vies, des couples, des familles, des églises. Bien aimé, si tu te laisses emporter par une fausse révélation, cela aura des conséquences très très fatales dans ta propre vie. Alléluia. C'est quoi? Suivons ce que la parole de Dieu nous dit. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Alors, le test que j'ai fait, c'est quoi? J'ai pris quelque chose et j'ai mis en main. J'ai dit,
Seigneur, c'est toi, dis-moi ce que j'ai en main. Alléluia. J'ai dit, Seigneur Dieu, c'est toi qui me parles en ce moment. Dis-moi ce que j'ai dans la main en ce moment. La personne commence à réfléchir. Blanc, Seigneur Jésus. Jésus-Christ est vivant, bien-aimé. Jésus-Christ est vivant. Lorsqu'on dit ces genre de choses, on réalise encore que Jésus est vivant. Amen. Alléluia. Parce que la parole nous dit que toi, s'il y a certains qui se disent des dieux, par la bouche de l'apôtre Paul, nous savons qu'il y a un seul vrai Dieu, qui est Jésus-Christ. Alléluia. Si certains esprits sont noms de Jésus, de Dieu, c'est très des dieux, or ils ne sont pas des dieux. Alléluia. Mais le Seigneur nous donne le discernement pour discerner ces choses. Et voilà ce que l'esprit répond. En fait, par divination, en fait. Le fait de deviner, ils disent la parole. On dit, oh, on sait que peut-être, en tant que serviteur de Dieu, on a tendance à voir la Bible en main, en fait. Hein? J'ai dit alors, mensonge. Ce n'est pas la Bible que j'ai en main. Gloire à Jésus. Amen. Silence de mort. Silence de mort. Une feuille. Mensonge. Bien-aimés, nous sommes dans un monde hautement spirituel. Alléluia, c'est pourquoi nous devons développer le niveau, l'être spirituel à nous. Gloire à Jésus-Christ. Nous savons que le diable est rusé. Alléluia, il est malin. Et c'est seulement par la grâce de Dieu que nous pouvons, n'est-ce pas, vaincre ces ruses. Alléluia. Et voilà que, en fin de compte, l'Esprit n'a pas pu me dire ce que j'avais. Amen. J'ai même enfoncé mon corps dans la bouche. Je me dis, Seigneur, c'est quoi? Dis-moi ce que j'ai en main. L'esprit n'a pas pu trouver. Gloire à Jésus. Amen. C'est le même test que Nebuchadnezzar. Il a fait. Mais c'est Dieu qui l'a mis cela à cœur. Il ne savait pas. Il a dit à les magiciens là. Que celui qui me rebelle le songe que j'ai eu là. Alléluia. Les magiciens, les divins, ils n'ont pas pu. Alléluia. Ils n'ont pas pu. Mais c'est Daniel qui a animé de l'Esprit de Dieu, qui a eu le songe. Alléluia. Que Nebuchadnezzar a eu dans sa couche. C'est pourquoi, bien aimé, par là, nous comprenons à faire la différence entre l'Esprit qui vient de Dieu ou l'Esprit qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Bien aimé, beaucoup d'esprits rusés, malins, trompent beaucoup par des visions, par des songes. Et beaucoup se lèvent et disent, Dieu m'a dit. Et beaucoup, manquant de discernement, consomment également ces prophéties, consomment ces révélations, et après, la personne par la suite pleure. Nous avons bien vu tellement de cas, l'imposteur comme l'imposteur de mariage. La personne a pleuré. Alléluia. Bien aimé, il y a tellement d'exemples, mais nous, nous appelons ça à être vigilants. Gloire à Jésus. C'est pourquoi, bien-aimé, pour, n'est-ce pas, vaincre, n'est-ce pas, les fausses révélations que l'ennemi utilise pour vouloir diviser l'église de Christ, pour vouloir diviser les frères et sœurs, pour vouloir diviser les serviteurs de Dieu, nous devons pratiquer ces choses, c'est-à-dire, comme la parole nous enseigne, premièrement, de sonder toute révélation. Ces quatre avec la parole de Dieu. Ces quatre avec la pensée de Dieu. Alléluia, parce que parfois le diable prend les versets, vous avez vu, dans Matthieu, où Satan tentait Jésus, il a pris même un passage biblique. Il est écrit que si tu te jettes, il enverra ses anges pour t'emporter. Mais le Seigneur Jésus connaît la pensée de Dieu. Alléluia, bien qu'il a pris la parole de Dieu, mais il n'avait pas la pensée de Dieu. Alléluia, le Seigneur dit, il est aussi écrit quelque part que tu ne tenteras pas l'éternel, mon Dieu. Alléluia, bien aimé, nous devons voici cadre aussi avec les aimants de la Sainte Doctrine. Alléluia. Bien-aimé, il est important dans l'Église de Christ, même le règlement le dit, que toute révélation doit être encadrée. Et moi, je vois dans beaucoup d'églises, dans beaucoup de cellules, que beaucoup, quand ils ont des révélations, ça se partage entre les frères et sœurs. Dieu m'a dit cela, et personne ne peut avoir la sainteté de Dieu. Et beaucoup reçoivent ces révélations, ces prophéties, et plus tard, ça nuit à leur vie. Ça détruit même leur propre foi. Or, si la personne demandait, est-ce que la prophétie, la révélation que Dieu m'a donnée là, est-ce que Dieu l'a écouté? Et généralement, cette personne-là
vont dire, pourquoi tu doutes quoi? Alléluia. Bien aimé, le monde que nous sommes, c'est un monde rempli de mal. Alléluia. Même la personne qui donne cette prophétie-là, il est lui-même, elle est lui-même victime de l'ennemi. Elle-même est ignorante. Hein? Vous savez, tous font parfois avec bonne conscience. Mais c'est l'esprit qui est cette personne-là qui a le problème. Alléluia. C'est pas bien aimé. Même si la personne vient avec toi avec un sentiment de bonne conscience, avec une bonne motivation, demande-lui, est-ce qu'il a vu les serviteurs de Dieu pour encadrer, n'est-ce pas, cette prophétie-là? Et beaucoup qui sont animés de ces choses-là ont peur de rencontrer les serviteurs de Dieu pour présenter leur prophétie. Alléluia. Mais ils aiment aller dans les inbox, pas derrière, rencontrer des prophéties. Dieu m'a montré tel serviteur-là. Il a les capacités de sorcellerie à chaque sa maison. J'ai vu en songe la sœur là. Elle, il paraît qu'elle boit le sang. Bien-aimé, ne laissons pas la porte à l'ennemi. Alléluia. Amen. Nous devons aussi avoir en permanence des moments de scannage pour ceux qui sont ces dons de révélation, ces dons de prophétie. C'est ce que beaucoup d'églises le font dans la sainte doctrine. Ils ont des moments de scannage, de ces bases-là, des moments de travail avec les serviteurs de Dieu. Mais cela arrivera par la grâce du Seigneur Jésus avec lorsque l'église sera officiellement établie. Gloire à Jésus. Amen. Nous savons aussi que la parole nous dit que ne négligez pas les prophéties, alléluia, dont les prophéties sont toujours importantes pour le corps de Christ, parce que par là, le Seigneur nous révèle sa pensée, sa volonté, le Seigneur nous révèle, n'est-ce pas, ce que nous devons faire en fait. Mais tout cela doit être encadré, tout cela doit être fait dans l'ordre, parce que la parole nous dit, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre et de paix. Gloire à Jésus. Nous allons continuer le troisième et dernier point qui est les œuvres de la chair. Alléluia. Les œuvres de la chair dont on fait mention la parole dans Galates 5, 19 à 20. Galates 5, verset 19 à 20. Bien-aimé pour nous lire. La parole de l'Éternel. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hésiteront point du royaume de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés, nous avons vu parmi les œuvres de la chair dont l'apôtre Paul cite, il a mentionné les disputes, les divisions. Alléluia. Amen. Beaucoup de divisions sont causées par le fait que beaucoup ne sont pas encore dépouillés intérieurement. Beaucoup ont dépouillé le corps. Gloire à Jésus. Amen. C'est très important. Alléluia. Mais le Seigneur veut le dépouillement du cœur. Alléluia. Bien-aimés, si quelqu'un tu as animé d'un esprit de colère, et face à son prochain manifeste la colère, du jour au lendemain, on va écouter, tel ne se parle plus. Alléluia. C'est pourquoi nous devons nous dépouiller aussi intérieurement des œuvres de la chair dont mentionne l'apôtre Paul dans Galates 5, 22, dans Galates 5, 19. Alléluia. Nous devons nous dépouiller des choses comme les calomnies, parce que l'ennemi étudie cela beaucoup pour semer la division. Nous voyons dans des groupes de l'église, ça peut être le groupe des sœurs, le groupe de chantres, nous on peut être un frère ou une sœur. Lorsque tel n'est pas là, on parle mal de lui. On dit que, ah, tu as vu la robe qu'il a sur la porte dernièrement, c'était pas décent. Et lorsque l'autre vient, on parle mal de l'autre. Ah, la sœur là, je l'ai saluée, non, même pas répondu. Elle est bizarre. Je pense que elle a un esprit satanique. Bien-aimé, ces choses-là, n'est-ce pas, causent les divisions au sein de l'Église de Christ. C'est pourquoi nous devons être vigilants et de ne pas être une proie de l'ennemi. Alléluia. Bien-aimé,
nous devons prier au Seigneur, dépouille-moi intérieurement. Seigneur, dépouille mon cœur. J'ai encore les semences de haine dans mon cœur. J'ai encore les semences d'hypocrisie. J'ai encore les semences de jalousie. Parce que tout cela, l'ennemi va utiliser ces semences-là pour causer la division. Alléluia. Et lorsqu'on amène ces semences-là dans le cœur, si on a la haine contre un serviteur de Dieu, l'ennemi va utiliser cela pour entraîner d'autres qu'on a mentionné, les fausses révélations. Parce que la vie, tu vas arriver, tu vas voir le serviteur de Dieu là en train de faire des mauvaises choses. Pourquoi? Parce que tu as déjà ces semences-là dans ton cœur. Et l'ennemi a utilisé cela encore pour t'enfoncer sur la mauvaise voie. Alléluia. Prions, Seigneur, Seigneur, libère mon cœur de toute forme de semence, de toute forme de porte en moi que l'ennemi peut utiliser pour être pour, une porte de division dans l'église de Christ, pour être un pied d'achoppement pour un frère ou pour une soeur. Alléluia. Et comment vaincre alors cela? C'est en pratiquant les fruits de l'esprit que la parole nous dit par la suite au verset 22. Par ces fruits de l'esprit-là, nous pourrons, n'est-ce pas, vaincre la division au travers des œuvres de la chair. Si nous cultivons ces fruits de l'esprit en nous, dans Galates 5:22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Amen, l'amour. Alléluia, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Bien-aimés, nous devons développer l'amour en nous, l'amour dans nos cœurs. Au sein de l'Assemblée de Christ, nous devons vivre l'amour. Alléluia. Et 1 Corinthiens 13 nous dit quoi? L'amour supporte tout. Un frère nous a mal parlé. Peut-être nous ne nous attendons pas qu'une personne nous parle de telle manière. Alléluia. Nous supportons nous. Alléluia. Nous ne supportons pas de façon à voiler cela, mais nous supportons en disant que, ah, il peut arriver. Mais nous ne commençons pas à nous enflammer. Nous ne commençons pas à haïr le frère. Alléluia. Peut-être qu'il a fait cela inconsciemment. Alléluia. De même que toi aussi, tu fais cela aussi à d'autres, sans ta rencontre. Alléluia. Nous devons développer l'amour à nous. L'amour supporte tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. 1 Corinthiens 13 nous l'enseigne. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour n'est point envieux. Nous devons prier au Seigneur de s'aimer cet amour à nous. Alléluia, parce que c'est cela qui va nous permettre d'avoir la victoire sur la division. Amen. Continue encore en disant la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédicité, la fidélité. La bénédicité, c'est la bienveillance, l'indulgence. La fidélité, la douceur et la tempérance. Voilà. Dans Jésus, merci Seigneur Dieu. Bien-aimés, ces vertus-ci nous donnent, n'est-ce pas, la possibilité de pouvoir vaincre les divisions. Alléluia. Si nous avons, nous, la patience, lorsque quelqu'un viendra nous causer un problème, nous n'allons pas réagir par la chair, nous allons être patients, nous allons avoir la maîtrise de soi. Alléluia. Si nous avons la douceur en nous, nous savons comment parler à chacun comme il faut. Nos paroles ne sont pas des paroles blessantes, des paroles arrogantes, mais nos paroles sont remplies de douceur. Et cela ne va jamais causer la division entre un frère, une soeur ou un serviteur de Dieu, ou entre des servantes de Dieu. Nous devons savoir l'humilité en nous. Alléluia. L'humilité, c'est ce que le Seigneur Jésus nous a enseigné. Le Seigneur Jésus, il a laissé sa gloire pour sauver nous pécheurs. Alléluia. Normalement, c'est nous qui devons venir à lui. Il a quitté son trône pour venir nous sauver. C'est pour ça que parfois, si quelqu'un t'a fait quelque chose de mal, ce n'est pas lui qui doit venir demander pardon. Parfois, va vers le frère et réconcilie-toi avec lui. Parce que parfois, je dis, si quelqu'un veut apporter son offrande et qu'il se souvient qu'il a quelque chose contre son frère, qu'il parle d'abord se réconcilier avec lui avant d'apporter son offrande. C'est pourquoi entre nous, nous devons pratiquer ce qu'on appelle la réconciliation, l'humilité. Alléluia. Peuple de Dieu, c'est ainsi, en général, les différentes manières que l'ennemi utilise pour vouloir s'aimer la division. Alléluia. C'est pourquoi, peuple de Dieu, nous allons nous lever, comme le terme nous dit. Église, lève-toi par la puissance du Saint-Esprit contre la division et réveille-toi de l'unité d'esprit en Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons demander au Seigneur Jésus-Christ, Père, Seigneur, je ne veux jamais être une porte, un canal par lequel l'ennemi va utiliser pour s'aimer la division entre un frère ou une soeur, entre moi et une soeur, ou dans l'église de Christ. Élève la voix, commence à prier. Demande au Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, ne permets pas qu'Aïti
les malheurs arriveront. Le malheur, celui par qui cela arrivera. Oh Seigneur Jésus. Père éternel, ne permets pas. Oh Seigneur Jésus. Que ce soit une porte d'entrée. Oh Seigneur, que lui maîtrise pour lui diviser ton église. Oh l'église que tu as rachetée par ton précieux sang. Non Seigneur, ne permets pas. Ne permets pas, Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus Christ. Que l'ennemi maîtrise dans l'ignorance. Que l'ennemi maîtrise dans l'ignorance. Oh Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Père, ne permets pas, Seigneur. Seigneur, prépare mon cœur. Seigneur, prépare-moi. Donne-moi le discernement. Donne-moi le discernement. Donne-moi d'être vigilant. Oh Seigneur Jésus. Afin de perdre une proie de l'ennemi. Afin de perdre une victime de l'ennemi. Oh Seigneur Jésus. Oh Père, pour l'amour de ton Seigneur. Pour l'amour de ton Seigneur. Oh Seigneur, pour l'amour de ton Seigneur, Seigneur Jésus. Fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce, Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons demander que le Seigneur Jésus, tout projet de division. Alléluia. Nous voyons que l'Église, depuis le commencement, traverse des programmes de division sur division. C'est pourquoi nous invitons tous les frères et sœurs qui ont quitté la bergerie. Frères et sœurs, revenez à la maison. Amen. Le Seigneur Jésus vous tend la main. Revenez dans votre famille. Alléluia. Le Seigneur dit que celui qui sort va pour sa perte. Revenez à la maison du Seigneur. Alléluia. Et nous sommes prêts pour vous accueillir avec joie. Alléluia. Comme le fils prodige. Alléluia. Nous allons prier. Tous les enfants de Dieu qui ont été emportés par les bandes de division, qui reviennent maintenant à la bergerie. Prions, prions, prions. Oh Seigneur Jésus. Tous tes enfants à Jésus le Christ qui ont été emportés par des bandes de division. Seigneur, fais-les revenir à la bergerie. Tous ceux qui ont été emportés, oh, par des fausses doctrines, par des fausses révélations. Oh Seigneur, nous parlons d'emportement du frère, nous parlons d'emportement du frère, du soeur. Oh Seigneur, et qui a quitté la bergerie, qui a quitté la bergerie, qui a quitté la bergerie. Seigneur, fais-le revenir, fais-le revenir, fais-le revenir, fais-le revenir à la maison. Fais-le revenir à la maison, Seigneur. Fais-le revenir. Oh Seigneur. Seigneur, revenu sera chez toi, Seigneur. Seigneur, quand tu as dit, tu as prié, qu'il soit un, que ton église soit un, comme toi le Père. Vous êtes un, Seigneur Jésus, que ton église soit un. Oh Seigneur, prions que tout programme, tout projet de l'église, pour diviser l'église de Christ, pour diviser l'église de cette défense, pas des fausses doctrines, pas des fausses prophéties, pas des semences du diable en nous, que cela soit paralysé au nom de Dieu. Amen.
fleuve pourront apparaître en ce lieu. Le fleuve pourront apparaître en ce lieu. Le fleuve pourront apparaître en ce lieu. Le fleuve pourront apparaître en ce lieu. Bien-aimé, tu vas te tourner vers ton frère et ta soeur. Peut-être en ce moment, tu n'es plus en bon état avec une frère et une soeur. Amen. Va, approche-toi de la personne. Parle avec lui, réconciliez-vous. La parole dit, confessez-vous les uns vos péchés afin d'être guéris. Amen. Va voir un frère et soeur. Peut-être tu as pensé ces derniers jours mal contre ce frère, contre ses soeurs. Va voir ses soeurs. Dis, demande pardon, Seigneur. Oh, c'est vraiment, je viens devant toi en ce moment. Je demande sincèrement pardon. Toutes les fois que je venais penser quelque chose de mal contre toi, demande pardon. Je veux que cette relation entre nous redevienne comme avant. Bien-aimé, rapproche-toi de ton frère et commence à te réconcilier avec lui. Commence à te réconcilier avec ma personne. Père, tu as pensé mal de cette soeur. Tu as pensé mal de ce frère. Et depuis cet temps, il n'y a plus d'attente entre vous. Il n'y a plus d'attente entre vous. Il n'y a plus d'attente. Vous ne vous parlez plus comme avant. Lorsque vous voyez même, vous jouez juste à l'hypocrisie. Va vers le frère, va vers la soeur et réconcilie-toi avec lui. Parce que le Saint-Jésus est le Dieu de la réconciliation. Le Saint-Jésus est le Dieu de la réconciliation. Il est le Dieu de l'amour. Il n'est pas dans la division. Il n'est pas dans la haine. Il n'est pas dans les querelles. Il n'est pas dans les disputes. Il est dans l'amour. Il est le Dieu d'amour. Va mettre ton frère, va mettre ta soeur, dis que tout est débrouillé, tout est effacé. Mon cœur est libéré maintenant. Mon cœur est libéré. Mon cœur est libéré. J'oublie tous ces problèmes-là entre nous. J'oublie toutes ces situations entre nous. Nous, on oublie tout et on regarde à Jésus. On regarde seulement à Jésus. On oublie tout, on regarde à Jésus. Réconcilie-toi avec ton frère. Réconcilie-toi avec ton frère. Réconcilie avec ton frère. Oh! Nous sommes un. Relâche, 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 relâ
Jésus. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen.